Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Bergman Island, un film qui est également diffusé au Festival de Cannes de cette année. C'est un film réalisé par Mia Hansen-Lowe, avec Mia Wasikowska et Vicky Krieps, et aussi Tim Roth. Alors de quoi parle Bergman Island? Ça parle d'un couple de cinéastes qui s'installent pour écrire le temps d'un été sur l'île suédoise de Faro. C'est une île où a vécu Bergman, et à mesure que leur scénario avance, et au contact un peu des paysages de l'île, la frontière entre la fiction et la réalité se brouille. On a là du coup un film très axé sur la réflexion, l'écriture, tout le processus artistique en tout cas. Alors faut-il voir Bergman Island? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. So you know this island? It's kind of special, right? It's the island of the director you and mommy like a lot. This place is perfect for working, easy to live in. Wow. You do realize we're going to sleep in the bed, but I should see it from a marriage film that made millions of people divorce. Ah, shit. Sorry. We have to maybe sleep in the other bedroom. Alors Thibaut, tu as vu Bergman Island, ça a l'air d'un film un peu curieux. Bah écoute, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est un curieux objet cinématographique. Honnêtement, je savais pas trop quoi en penser en sortant de la séance, parce que pendant le film dure un peu moins de 2 heures. Pendant toute cette première heure, tu suis ce couple qui va écrire donc sur l'île où Bergman où Ingmar Bergman a vécu. Ils ont différentes activités, ils visitent certains lieux iconiques des films, de la vie de Bergman, ils écrivent. Et puis à un moment, elle... donc ce couple, c'est Tim Roth et Vicky Krieps. Et puis à un moment, elle raconte l'histoire sur laquelle... l'histoire qu'elle a finalement décidé d'entamer. Et c'est l'histoire de deux amants qui vont se rejoindre, qui sont amants depuis des années, mais qui ont un peu coupé les ponts, et ils se revoient tous les 36 du mois, hein, donc c'est plus quelque chose de très régulier à ce stade-là. Et ils se revoient à l'occasion d'un mariage sur la même île. Donc voilà, autant dire que la fille est très inspirée par son séjour sur l'île, et à un point tel qu'elle a décidé d'écrire une histoire qui se déroule sur la même île. Donc tu regardes un film sur des personnes qui écrivent des scénarios et des histoires, et tu vois aussi cette histoire qu'elle a décidé d'écrire. Et donc les deux personnages de l'histoire sont incarnés par Mia Wasikowska et Anders Danielsson-Lee. Alors Anders Danielsson-Lee, on le connaît parce que c'est lui qui incarnait Anders Breivik dans le 22 July de Paul Greengrass, hein. Et il avait joué aussi dans Rodin. Bref, on l'a vu quand même dans quelques trucs. Et donc, t'as un film dans un film dans un film presque, tu vois. c'est très méta. En même temps, un film qui parle d'Ingmar Bergman déjà, en tout cas qui évoque Ingmar Bergman, c'est très très cinéma quoi, c'est très méta. Cinéma très méta, ça a l'air d'être taillé en tout cas pour le Festival de Cannes. C'est une ode hein, forcément au metteur en scène Bergman. J'ai l'impression qu'on est dans un film qui fait un peu référence à lui-même, qui fait référence aussi à plusieurs choses. C'est un peu un fourre-tout, hein. C'est presque deux films en un quoi. Ah mais c'est très clairement deux films en un. Parce qu'au final, tu suis l'histoire de ces gens, de ces scénaristes, de ces écrivains, et puis tu suis une des histoires qu'ils ont décidé, qu'ils ont écrites, pardon. Et mais parfois, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop de but, que c'est plus des pensées, des évocations, une réflexion un peu sur l'écriture, sur forcément le cinéma de Bergman, qui était un cinéma quand même très sombre, hein. C'était vraiment pas la joie de vivre, ces films. Et donc, il y a toutes des réflexions à ce niveau-là, et voilà. C'est pas genre, il y a tel but à atteindre,
T'as un point B et basta. Tu vois, c'est un peu une forme narrative qui est plus légère, qui est peut-être plus, je vais pas dire brouillonne, mais qui, voilà, qui marche un peu sans but. Et du coup, c'est très particulier, c'est un peu bizarre, un peu déstabilisant, parce que pendant une partie du film, t'as l'impression de faire une visite sur l'île de Bergman, quoi. Et ok, très bien, mais hein, c'est que veux-tu me dire? Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, et du coup, en sortant du film, bah, je te dis, je savais pas trop quoi en penser parce que d'un côté, il y a des parties que j'ai pas trouvé désagréables, de suivre ces personnages, de revoir leur petite histoire, et pour ceux dont les autres personnages ont écrit l'histoire, bah, t'as envie de savoir ce qui se passe lors de cet amour, de vacances à nouveau, de ces retrouvailles. Et donc, je peux pas dire que j'ai pas pris de plaisir, mais je me suis souvent demandé, bah, qu'est-ce que je regardais, quoi. Oui, tout à fait, je vois tout à fait ce que tu veux dire par là. C'est un peu la sensation qu'on peut avoir après avoir un film du Festival de Cannes, où c'est un peu un objet aussi cinématographique un peu indéfini. Si tu devais éventuellement donner une note à ce film, Thibaut, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter. Oui, j'ai un petit truc à ajouter quand même. Enfin, deux petites choses. Je trouve que tous les quatre comédiens sont très bien. Moi, j'adore Tim Roth. C'est vraiment un de mes acteurs préférés. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Donc, déjà, j'étais quand même content de le voir, évidemment. Vicky Krieps, elle monte vraiment beaucoup, hein, depuis Phantom Thread. Donc, évidemment, ravi de la revoir. Et les deux autres aussi. Mian Love, je suis pas un grand fan de son cinéma de base, mais même parfois je déteste, hein, j'avais détesté le film L'Avenir. Mais donc, en fait, c'est le genre de film, si c'était pas aussi méta, si ça parlait pas autant de cinéma, honnêtement, je suis pas sûr que ce serait sélectionné à Cannes, quoi. Pas que ce soit mauvais, je trouve pas foncièrement mauvais le film, mais je suis pas sûr que lui-même sache exactement où il aille. Et c'est un peu ça le souci. Du coup, pour répondre à ta question sur la note, bah, j'ai envie de donner quand même un 2. Parce qu'il y a des choses que je trouve intéressantes. Hein. J'aime bien ce côté quand même, malgré tout, où tu erres un peu sans vraiment savoir où aller. Mais de l'autre côté, parfois, j'ai l'impression que ça raconte pas grand-chose non plus. Et que les évocations ou les pensées sont parfois un peu légères, tu vois. Donc, voilà, un peu mitigé, mais c'était pas une mauvaise surprise, mais en tout cas, c'était une surprise, ça c'est sûr. En tout cas, on a compris, hein, que c'était clairement un film un peu indécis. N'hésitez pas en tout cas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.